Good morning, Aleiden. Les tutors aujourd'hui, les lunes, Shabbat, Peggy, Bat Esther, Lisa, Lisa, Bat Frechaza, Bat Mazaltov, Shishporti, Shkuka, Bat Fritna, et la ville Ben Achaim, ou Ben Achaim, Lirfuat, Amram, Yona, Ben Chana, Betoch, Shaar, Chole, Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Sanerin, Perigvav, Mishnah Vav. Nitakel, Abassar, Melatin, et Aatsamot, Vekavun, Otan, Bim Koman. Vakirovim, Baim, Veshoalim, Bishlom, Adayanin, Bishlom, Aedim. כלומר שאין בלבנו עליכם כלום שדין אמת דנתם ולא היו מתאבלים אבל עוננים שאין ענינות אלא בלב. On continue à parler de l'exécuté que l'on a donc tué, ensuite enterré dans le cimetière, dans la parcelle du Bet Din. La Mishnah maintenant nous enseigne que nitakel abassar, une fois que sa chair a été décomposée, comme tout cadavre, dans la terre, une fois qu'il est enterré, que sa chair a été décomposée, alors, melaktin et atzamot, on a le droit, il faut même réunir, rassembler tous ces os, et les transporter, avec ovrinotan bimkoman, et aller les enterrer à leur place, c'est-à-dire la porter enfin dans le kever avotav, dans le cimetière, dans la parcelle familiale, on l'enterrait là-bas. Pour quelle raison ? Vous allez me dire, on avait appris qu'on n'avait pas le droit d'enterrer un rachat à côté d'un tzadik. Réponse, une fois que le condamné à mort, il a fait une chouva avant de mourir, et une fois qu'il est descendu, il est tombé dans le... on l'a mis dans le trou, et il a commencé à souffrir dans son kever, il a fini complètement sa kapara. En théorie, on pourrait déjà le ressortir, même après quelques jours, déjà le ressortir et aller l'enterrer. On a fini sa kapara, il a achevé complètement de se faire expier sa faute, de ce fait, il n'est plus rachat. Le problème, on a un problème technique, c'est qu'à partir du moment où son corps a commencé à se décomposer, on n'a plus le droit de le déterrer. La Gemara, elle parle dans sa Sanhedrin de, je ne sais pas exactement, son ventre qui a été ouvert, tranché, je ne sais pas exactement, qu'on n'a pas le droit, il y a un certain moment, on n'a plus le droit de le sortir parce que c'est une honte pour le cadavre d'être sorti alors qu'il est complètement en train d'être décomposé. Il faut attendre que toute la chair se fasse composer complètement et ensuite on pourra déterrer les os et le squelette, et la porter ensuite dans le kever, dans le cimetière familial. D'accord ? Maintenant, on revient en arrière lorsque la suite de la Mishnah, on revient en arrière lorsque le mort, lorsque l'exécuté vient d'être exécuté. Alors la Mishnah nous enseigne, les proches, ces proches qui auraient dû en théorie s'endeuiller, alors ils viennent, ils ont le devoir, après que l'exécuté a été enterré, de partir voir les juges et d'aller voir les témoins. Ils ne prennent pas de deuil, comme le Mishnah le précisait, mais au contraire, ils vont aller voir le juge et le témoin. Ils vont leur demander comment ils vont s'intéresser à eux. Kelomar, comme si qu'ils voulaient dire, She'en belibenu alechem kelum, car... comme si qu'il voulait exprimer ainsi, nous n'avons rien contre vous, on n'a aucune querelle envers vous, car vous avez jugé un jugement vrai, et ils ne s'endeuillaient pas sur leur mort, aval onenin, mais uniquement ils pouvaient se peiner. Le onen, on expliquera ensuite, d'abord je traduis, après on refait de l'ordre et on explique c'est quoi chacun des mots. Ils seront uniquement onen, à peiner, she'en aninut el abalev, car le din de aninut ne concerne que ce qui est la peine dans le cœur, mais pas qu'un acte concret de manifester son deuil. Soit, on reprend d'abord dans l'ordre. On a vu tout d'abord que, il faudrait commencer plutôt la Mishnah à l'envers, on n'a pas le droit, Bavod Reshaim Rina, c'était le dernier, on a porté ça dans le portée noir du dernier Perek, si je ne me trompe pas, je ne le retrouve plus, c'est pas grave. En tout cas, Bavod Reshaim Rina, il y a un passage qui nous dit que lorsque les impies se font tuer, alors il y a une certaine part de Rina, de joie sur terre, on est content que les mauvais meurent. Mais malgré tout, on apprenait déjà dans la Mishnah précédente, qui en réalité, on a pris un petit peu entre les deux feux. Certes, on a fait quelque chose qu'on est obligé de le faire, et on est content de l'avoir fait. On est content, on est satisfait de l'avoir fait, il fallait le faire. Mais on avait vu que même la Shrina a de la peine.
la providence d'Hachem, elle a de la peine sur le fait qu'on est obligé d'arriver à une situation pareille. Comparez toujours à un père qui sévit, qui est obligé de corriger son fils. Il est certes, une fois qu'il a vu son enfant qui a volé, peu importe, il a été obligé de sévir sévèrement pour bien faire comprendre à l'enfant qu'il ne fallait pas le faire. Alors, d'un côté, le père, il est content d'avoir enfin coupé la gangrène, avoir mis un terme au fait que son fils partait par derrière, chippé au supermarché. D'accord ? Il volait des bonbons, il volait des chewing-gums, et il a réalisé que ça faisait plusieurs fois, donc le père, il est bien content d'avoir mis un terme. Mais malgré tout, comme on a exprimé hier, dans la mission précédente, il a de la peine d'avoir été obligé de sévir. Alors, selon le même principe, on est pris un petit peu entre ces deux tendances. D'un côté, on est content d'avoir mis un terme, d'un autre côté, on est peiné. De ce fait, la Mishnah nous enseigne, donc je commence par la fin, que les endeuillés ne doivent pas manifester un deuil, c'est-à-dire qu'ils ont un tsar sur le fait qu'ils soient partis comme si qu'ils éprouvent une certaine... ils ont du mal à comprendre la justice qui a été faite. Non, ils n'ont pas le droit de manifester leur deuil. Mais malgré tout, ils doivent avoir une peine. Ils ont donc le statut de onen. Comme vous savez bien, le statut du onen, en général, on utilise le principe du onen pour exprimer la personne qui doit enterrer son mort, qui n'a pas encore commencé son deuil concrètement, mais qui a le devoir de l'enterrer. Il a de la peine dans le cœur, mais pas, il n'exprime pas encore, il ne déchire pas encore ses habits, il ne s'assoit pas encore par terre, il peut même... d'accord. Ça, c'est le principe du onen. Selon ce principe, donc, idem, envers les juges qui ont été contraints de prononcer la sentence, alors, les proches parents doivent ensuite aller voir les juges et leur demander faire... Alors, ne pas leur dire clairement, c'est pas l'honneur du défunt, de leur dire clairement que nous n'avons rien contre vous, vous avez très bien fait de le tuer, pas du tout, on parle pas comme ça d'un proche parent qui a été condamné à mort. Mais malgré tout, ils doivent partir manifester de l'estime pour les juges et pour les témoins qui ont fait quelque chose qu'il fallait faire, d'accord ? C'est ce que la Mishnah venait nous enseigner, donc on fait ça dans les mots. Vakrovim baim mesholim bishlom adayanin ou bishlom adin. Les proches parents qui auraient dû s'endeuiller viennent et saluent, disent shalom, ils saluent les juges et saluent les témoins. Kelomar, comme si qu'ils voulaient dire, c'est pas qu'ils vont leur dire, mais ils viennent par là exprimer ce qu'ils pensent que she'en bedebenu alechem kelum. Nous n'avons aucune rancœur contre vous dans notre cœur. Car vous avez jugé un jugement vrai, et la Mishnah continue de nous enseigner, et ne prenez pas de deuil, ne manifestez pas de deuil en s'asseyant par terre et en s'échirant les habits. Aval onenin, juste, ils devaient tirer la tronche, ils devaient être manifestés qu'ils étaient peinés, parce que comme on avait dit, même la Shrina elle-même, elle a de la peine sur le fait qu'on est obligé, on a été obligé d'arriver à cette situation. Donc eux, ils vont pas commencer à boire les chaïm et à se réjouir, bien sûr. Mais malgré tout, ils doivent pas manifester. Shenan Nutel Abalev, puisque là, ça n'engage que le cœur, badaï, qu'il faut avoir être peiné dans le cœur. Enfin, prenons le Barthénora. Nitakel Abassar, la chair a été décomposée. Gvar Nitkaper lo bemitato ou bebiziono. Il a été ainsi expié de sa faute lorsqu'il est décédé et qu'il a été humilié par avoir été enterré de la sorte. Et de ce fait, on n'a plus de contre-indication à le prendre et l'amener chez ses parents, l'amener chez ses, dans le cimetière familial. Mais la ptinata est à sa mode. On récolte, on réunit les os, vekovri notan mekivrot avotav, avotan, et on les enterrera ensuite, avotav, je ne sais pas pourquoi avotan, on ne parle pas des pères des os, mais on parle des pères du condamné. Je ne sais pas pourquoi le partenaire a écrit ça. En tout cas, avec Ovrinotan, Bekivrot, Avotav, ou Avotan, on les enterrera dans le cimetière de la famille. Veloayom et Abelin, et ils ne s'endeuillaient pas. Kedeshayeh, alors pourquoi ils ne devaient pas s'endeuiller? On a expliqué à l'oral, mais le partenaire avait expliqué ça de deux manières. C'est-à-dire, on a d'abord exprimé le fait qu'Kedeshayeh, il y a une raison plus profonde. Kedeshayeh, Bizyonan, Kaparalaem, tout d'abord, afin que le fait qu'il soit mort sans que l'on prenne son deuil, ça ajoute de la peine, de la situation triste et humiliante, et ça ajoute du bisayon pour le défunt, de manière à ce que, du bisayon de la honte pour le défunt, de manière à ce que ça va encore plus lui effacer sa faute. À part ça, il y a un autre problème, en fait, c'est une autre interprétation qui va aussi expliquer le fait que, vous allez me dire, alors qu'on a repris les os et qu'on va les déplacer, pourquoi il ne reprendrait pas le deuil ensuite? Là, le bâtonnard va nous dire, Veidamre, il y a une deuxième explication, le fichat avelout chala mishisetem agolel, car à partir de quand débute un deuil de manière générale? Depuis le moment où on ferme le kever,
Depuis le moment où on va recouvrir, une fois qu'on a fait rentrer le corps dans la terre, on commence à le recouvrir. Dès qu'il a été recouvert, c'est ce qu'on appelle la stimata golel. On a fermé la pierre. Et là doit commencer en théorie la veloute. Or, en ce moment, à ce moment-là, au Beota Shaha, elle lui tablin à l'aide. Et à ce moment-là, ils ne peuvent pas prendre le deuil, parce que pour le moment, sa chair n'a pas encore commencé à être rongée. De ce fait, la capara n'est pas complète. Donc on ne peut pas prendre un deuil sur un rachat. Et chez l'onigmar kaparatana chitekel abasar, car l'expiation du condamné n'a pas encore commencé jusqu'à ce que sa chair a été condamnée. Veuilve idre avelout idre. Et puisque le deuil a ensuite été repoussé, on ne peut pas le débuter depuis le premier moment, alors on ne le reprendra plus ensuite, plus tard. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. C'est là.